petit pique-nique de bienvenue. Donc sur le bonsaï, vous trouverez des tuiles aux anguilles. Voilà, juste une qui est accrochée ici et une qui est accrochée là. Si je puis me rappeler. Heureusement que vous le dites, je vais aller. Faut aller les cueillir. Dans la petite cuillère, vous trouverez une vie de camembert avec une algue nori, une préparation, une vinaigre de nori, qui est une algue japonaise. Mmh. Et ici, dans la petite, qui ressemble un petit peu à un petit pot de fleurs, vous trouverez une bille de pomme de terre et avec, dans laquelle vous, je vous invite à tremper dans l'œuf fumé. C'est une préparation à base de pommes de terre un peu cendrées. D'accord. Voilà. Monsieur, pour accompagner vos apéritifs, donc le chef vous a préparé quelques petits canapés et on va débuter avec l'assiette en bois juste ici. Vous allez retrouver des choux à la cacahuète accompagnés de son crémeux de cacahuète sur le côté. La seconde étape juste ici, vous allez retrouver du jambon de bœuf que le chef a fait maturer, accompagné de tofu et d'une vinaigrette. Et pour terminer, dans l'assiette noire qui est juste ici, vous allez retrouver des crêpes qui sont faites à base de lentilles et de sarrasin et qui seront à déguster avec les lentilles qui sont sur le côté. Bonne dégustation. Merci. Du pain qui est fait maison à base de levain et de miel de Saint-Mars. Alors, madame, monsieur, vous avez donc l'entrée jardin et nature pour débuter. Et on va débuter avec l'assiette principale devant vous. Vous allez retrouver à la base de l'assiette du riz japonais qui sera proposé avec une tomate Momotaro qui est une variété de tomate japonaise sucrée naturellement. Et pour finir, sur le dessus, vous allez retrouver de la truffe d'été. Avec ceci, madame, monsieur, je vais venir rajouter de l'eau de tomate. Et puis on va poursuivre avec le petit bol sur votre droite. Ou à la base, du bol, vous allez trouver toujours de la tomate japonaise avec un voile de riz sur le dessus et de la truffe d'été. Et puis pour terminer, dans l'assiette encore au-dessus, vous allez retrouver une tuile de riz accompagnée de truffes d'été râpées et qui sera dégustée avec l'assiette principale. Là pour le voyage, je vais essayer de commencer par la petite assiette. Alors, celle-ci. Dans la petite assiette, vous avez un granito foie gras, donc à manger pur à la cuillère. D'accord. Ensuite, vous allez suivre par la théière. Dans la théière, vous avez du foie gras qui est poché à base de congo. Le congo, donc. Vous avez également des shiitake, donc ont été cuits au feu de bois. Et une fois que vous avez dégusté l'ensemble, vous versez le bouillon dans la petite tasse.
Et vous avez terminé par le petit four avec le four vert. Vous avez toujours du foie gras, mais dans un esprit yaourt. Donc le foie gras, il a été fermenté dans du riz. Vous avez encore des shiitake, mais confits à la sauce soja. Et sur le dessus, vous avez un croustillon à la cendre de menthe. Donc, j'ai donné beaucoup d'informations, mais à retenir principalement. À retenir principalement, c'est l'entrée, le plat, la boisson et le dessert. La boisson, c'est ça, c'est ok. À deux fois. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. Alors, le chef vous propose une petite poche végétale. Sur les galets, vous trouverez fougasse de tomates, tomates confites pendant 24 heures également. Et pour accompagner ça, le chef vous propose une eau de tomate infusée à la verveine. Voilà. Donc, monsieur, le but du jeu, c'est que vous serviez à madame également dans le bol qu'on vous a proposé en dessous. Et petit conseil, nous vous proposons de mettre ces deux produits dans l'eau de tomate, excusez-moi, et de les manger ensemble. Ok, d'accord. Le lieu jaune que le chef a fait griller. Vous allez également retrouver de la carotte avec de la flamme de carotte cuite à tempura proposée avec des fleurs du jardin. Vous allez retrouver de la mauve, de la tagette, de la capucine et du bleuet. Vous allez également retrouver de la rhubarbe du jardin du chef proposée avec de l'aubergine. Et puis pour terminer, juste ici, je vais venir y rajouter une sauce qui est faite à base de lait de chèvre. C'est bon le lait de chèvre, j'aime bien. Et ouais, c'est une bonne dégustation. Alors madame, monsieur, pour poursuivre, vous avez donc le bœuf. Bœuf que le chef a fait maturer de plus de 200 jours et qui est de la région de Averdon, à 20 minutes d'ici.
vous allez retrouver la côte de bœuf qui a été cuite au feu de bois, qui sera proposée avec du shishito, qui est une variété de poivron japonais. Vous allez également retrouver du kyori. Le kyori, c'est une variété de concombre japonais que le chef propose sous différentes maturités. Vous allez également retrouver des feuilles d'épinards proposées avec des feuilles de basilic thaï qui vont avoir un léger goût poivré. Et puis pour terminer, vous allez retrouver du gingembre et un crispy d'oignon. Excellente dégustation. 200 jours ? Oui, plus de 200 jours. Depuis donc le 9 mars dernier, plus de 200 jours. Ça fait 6 mois. 6 mois. Oui, ouais, un peu plus. Alors madame, monsieur, pour poursuivre, vous avez donc l'incontournable tome de brebis qui a été affiné. Vous allez également retrouver à la base de votre assiette une petite purée d'artichaut et sur le dessus, vous allez retrouver de la tempura. Et je vais venir y rajouter à ceci du vinaigre italien, du vinaigre balsamique de Modène. Alors, est-ce que madame ou monsieur, vous désirez goûter la cuillère afin de goûter le vinaigre? Ah oui. Oui. Je vous la laisse dans la petite assiette juste ici. Je vous souhaite une excellente dégustation. Merci. Un agréable moment. Alors, donc, madame, monsieur, donc là, vous avez le shiso. Donc, le shiso, c'est une herbe japonaise qui est fait par notre maraîcher, qui est travaillée en beignet. Vous avez également de la tomate confite. Et sur le dessus, donc, vous avez une glace au shiso rouge et un nuage de shiso rouge acidulé à l'eau de tomate avec de la gavotte et fleurs de tagette pour apporter un petit peu l'orange et une petite saveur amère de côté pamplemousse. Merci beaucoup. Bonne continuation. Madame, monsieur, pour terminer, vous avez donc le dessert cérémonie, qui est un hommage à la cérémonie du thé matcha, donc le thé vert emblématique au Japon. Et on va débuter avec le bol qui est sur votre gauche, où à la base du bol, vous allez retrouver de la pomme, accompagnée d'une glace de citron. Et pour terminer, sur le dessus, une petite émulsion de thé matcha. Je vous conseille d'aller tout au fond du bol avec la cuillère afin d'avoir toutes les textures et toutes les saveurs en même temps. Sur votre droite, dans la petite assiette bleue et blanc, vous allez retrouver une représentation d'un jardin japonais, qui est fait à base d'azuki. Donc l'azuki, c'est une spécialité japonaise qu'on retrouve souvent dans leur pâtisserie et qui est un haricot rouge sucré. Et tout autour de cet azuki, vous allez retrouver du thé matcha. Et puis pour finir, au-dessus, vous allez retrouver
un churros de thé matcha accompagné de matcha lacté et d'azuki. Bonne dégustation, bonne fin de repas. Pour terminer votre repas, quelques mini-hardises. Voilà, quelques sucres. Marshmallow, yuzu, gâteau, chocolat au piment, légèrement pimenté, évidemment, attention, et cacahuètes. Voilà, merci. S'il vous plaît.